Je n'ai aucun lancement pour lancer Gaspard Proust, que je suis ravi d'accueillir dans le studio d'Europe 1. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, c'est normal. Alors c'est la première fois qu'on se voit et en voyant arriver, vous vous posez peut-être la question que s'est posé un jour Julien Bayou devant Daniel Cohn-Bendit dans une chambre d'hôtel à Francfort. Mais qu'est-ce que te fait Zizi? Pourquoi j'ai choisi de vous rejoindre, vous et Europe 1. Mais oui. Bah oui, vous savez, moi j'investis un peu en bourse et on le sait. On fait rarement une bonne affaire quand on achète l'action d'une boîte qui a une super cote. Donc venir ici, c'était une évidence, j'ai envie de dire. Mais à part ça, je suis vraiment très heureux de bosser avec vous, vraiment très très. C'est pas de la fête, c'est vraiment... Pas parce que vous seriez super compétent, ça je m'en fous un peu, mais parce que vous avez des origines ukrainiennes. Et en ce moment... Ça peut servir. Non, mais on sait jamais. S'il me prenait, je sais pas moi, l'envie de cartonner Zelensky, attention, il est sympa, il est courageux. Hein. Eh ouais, vous mais avez bon, un pote ukrainien. Mais de là à payer le mégawatt au prix du caviar, je veux dire, il est gentil, mais il n'a pas non plus sauvé ma grand-mère de la noyade. Du coup, on pourra dire, mais non, Proust, il n'est pas pro-Poutine, regarde, il y a un collègue ukrainien. Vous serez un peu comme l'ami gay ou noir quand on est raciste ou homophobe, vous voyez. C'est comme ces gens qui disent, mais non, je ne suis pas de droite, j'ai des amis aux républicains. Alors... Comme c'est ma première intervention, je pense que c'est important de présenter aux auditeurs ma feuille de route avec lui. Parce qu'on va pas se mentir, il faut créer une relation de confiance, paraît-il, avec ceux qui nous écoutent en ce moment dans leur bagnole et qui souffrent. Ils ont peut-être pas tous dans leur boîte à gants des aiguilles et une poupée à l'effigie d'Anne Hidalgo pour décompresser dans les embouteillages, vous voyez. Alors vous allez me dire, ah direct, Proust, il met de l'huile sur le feu, évidemment. Ben oui. Mais Dimitri, le but d'une matinale, c'est quoi? C'est de réveiller les gens. Et quel est le moyen le plus simple de réveiller quelqu'un? C'est de le faire chier. Je ne vais jamais m'attaquer à quelqu'un qui, par chaque prise de parole, élève le débat à des niveaux stratosphériques. Et je sais pas, comme ça, spontanément, je pense à Sandrine Rousseau. Comme c'est bizarre. Oui, mais oui, c'est dingue. C'est, alors, c'est en ce moment, elle a la cote. Hein, c'est A Star Is Born. C'est pas une femme politique, c'est un héros Marvel. C'est un peu le Hulk de l'idée débile. C'est-à-dire, quand elle voit vert, faut pas être dans le même ascenseur. C'est une éolienne dégoupillée, quoi. Déjà, et je trouve rien que son nom d'artiste, Sandrine Rousseau, arriver à se faire télescoper le prénom d'une caissière et le nom d'un philosophe. Enfin. Et pour rebondir sur l'histoire du barbecue, parce que alors c'était impossible de pas en parler, Dimitri. Elle a dit, ah, l'entrecôte au barbecue, c'est un symbole viriliste. Mais elle a tellement raison. Mais quand t'as envie de montrer une nana que t'es un homme, un vrai, tu lui offres pas des fleurs, mais un assortiment de merguez. Non mais, combien de fois nos auditeurs mâles ont emballé en boîte, habillés d'un tablier charal, trois chipolatas pendus à leur jean et armés d'une pince à bavette. Enfin, c'est l'équipement de base du Playboy. Quand vous avez une Allemagne qui se plaint du matin au soir de ne pas avoir assez de gaz, mais on est où? On ne peut pas dire que ce soit les matières premières qu'ils ont toujours utilisées que pour chauffer ces gens-là. Là, ça y est, point Godwin. Non, mais bon. Franchement, ils bidouillent quoi les Schleux en ce moment? Au lieu d'emmerder les Russes, on ferait peut-être mieux de regarder s'il n'y a pas une recrudescence de centres de loisirs de plein air à l'est de l'Allemagne. Je veux dire, ils sont complètement décomplexés. Ein bisschen Gas, Bitation, on dirait les mendiants de la Porte Dauphine en costume Hugo Boss. À un moment, Entschuldigung, à bord le devoir de mémoire, c'est du poulet. Mais ça, c'est depuis qu'ils ont pour premier ministre Olaf Scholz. Bon, le gars, il a un prénom du bonhomme des neiges dans un Disney, on dirait un Hollande en Birkenstock. Alors, forcément, plus personne se méfie, quoi. Sinon, je vois que ce matin, on a invité Sonia Mabrouk. Merci d'être là. Ça me rassure. Tant mieux, il vous faut pas pour être rassuré. Non, si, je vous explique pourquoi. Parce qu'entre la franco-tunisienne, l'ukrainien, le suisso-slovène, c'est plus la matinale d'Europe 1, c'est celle de l'ONU. Hein, il manque plus que Mathieu Bock-Côté qui viendrait dire « Mais quelle matinale diversitaire hein !» Est-ce que je vous ai déjà parlé du wokisme? Alors, non, c'est pratique que Sonia Mabrouk soit là, parce que comme ça, j'ai une caution pour imiter l'accent maghrébin. Bah, c'est un peu d'actualité. Hein, parce qu'à cette heure-là, on a... Toujours pas de nouvelles de l'imam Ikwissi, celui-là. Hein, c'est un peu le dossier chaud en ce moment. Darmanin, il se fait tous les kebabs de la frontière belge déguisés en frites géantes, je comprends. Parce que notre équidistant, là, c'est un peu notre Ben Laden version Ouigo, vous voyez. C'est le Mollah Omar, carte famille nombreuse. Comme on dit à Kaboul, Ikwissène le vent, récolte la mobilette. Alors... On dit qu'il est misogyne. Bon, il a quand même fait 9 gosses. Hein. Je veux dire, c'est sûr, quand tu fais 9 gosses à la même nana, c'est que t'as quand même un peu envie de la faire chier. Hein. C'est... Alors, je trouve qu'on en fait un peu trop par rapport à lui. Il est peut-être islamiste, mais au moins, il s'est pas enfui en jet privé. Et je suis allé voir ses vidéos. Bon, franchement, c'est pas... C'est sûr que si tu cherches un tuto sur la fabrication des drapeaux arc-en-ciel, il y a d'autres alternatives. Hein, on va pas se mentir. Tu sens clairement que le gars, au niveau des valeurs, il est plutôt vintage. Ouais. Mais c'est normal, il a 9 gamins. Je veux dire, si on a 3 qui commencent à vouloir changer de sexe et 2 qui s'abonnent au monde, t'imagines le bordel à la maison, tu vois. C'est...
Alors, c'est sûr qu'il dit des trucs comme « il faut que la femme reste à la maison pour faire le ménage ». C'est peut-être un peu choquant, mais putain, ce que c'est pratique. Je développerai avec plaisir d'autres idées tout aussi pertinentes, mais je trouve que c'est quand même assez classe de finir une chronique par une sensibilisation au féminisme. Alors j'imagine que vous allez nous parler de la reine cette semaine. Ah bah oui, bah c'est ce qu'il y a de plus passionnant, hein, entre la reine et la reine. Entre la République en marche et la reine en nécrose, il n'y a pas photo. Parce que si je dis ça, j'ai bien compris, donc il faut attendre 10 jours avant qu'elle soit enterrée, c'est ça ? Ouais, ça c'est en ça. Dit quand même long sur les Britanniques. Hein. Quand tu mets 10 jours à enterrer une nana qui pèse 30 kilos, faut pas s'étonner qu'ils aient perdu tout leur empire colonial. C'est-à-dire, le fiston, c'est un fou furieux. Ah bon, Charles est dangereux d'après vous ? Mais évidemment, il est écolo. Je veux dire, il vous faut quoi de plus ? Le gars, c'est un Kim Jong-un de l'éolienne. Enfin, il paraît qu'il parle aux plantes, il donne son avis sur le niveau des océans. Alors lui aussi, il a remarqué, ah, il fait un peu plus chaud. Incroyable, bravo. Et en plus, il va hériter d'une fortune de 300 millions. T'es, vous imaginez si Corinne Sartre gagnait à l'euro million ? Corinne Sartre, qui est-ce ? Ouais, c'est le nouveau surnom de Sandrine Rousseau. C'est histoire de me renouveler. Comme j'aime pas Jean-Paul Sartre, je me suis dit, tiens, un tacle comme ça, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Non, mais imagine Corinne, elle coche les bonnes cases à l'euro million, elle encaisse le chèque. Bon, une fois qu'elle s'est fait plaisir au niveau shopping, en s'achetant des chiottes sèches en or massif, des sandales de réflexologie en platine, un vibromasseur en chanvre, il lui restera quand même de quoi s'acheter un jet pour aller le planter dans une centrale nucléaire. Donc, c'est horrible. Il n'y a pas une image qui vous a un peu marqué de cette cérémonie ? Mais si, bien sûr. C'est, moi, j'ai un cœur. Et moi, celui qui m'a le plus touché dans cette cérémonie, c'est Joe Biden. Ah. Bah ouais, notre Joe le taxi ricain, enfin, vu son état, plutôt Joe sous le taxi. Et il était là, il a regardé le cercueil de la reine, il s'est dit « Ah, elle va quand même nous manquer, Diana Ross ». Puis après, il est venu voir Macron, il a regardé Brigitte, s'est tourné vers Manu et lui a dit « Vous avez tellement de chance que votre maman soit toujours là ». Mais bon, ça c'est tout Joby Joba, ça c'est... Et nous, en France, ben, on ne vivra jamais ça. Vous voulez dire qu'on n'aura plus jamais de roi, de reine en France ? Mais c'est impossible. Je vous rappelle quand même que les tombeaux des rois de France se trouvent en Seine-Saint-Denis. Vous imaginez le bordel si on fait un convoi pour enterrer le roi là-bas ? Pensez vraiment que la terre entière a envie de voir les Dalton faire des roues arrière sur le cercueil ? Il faut être réaliste, au bout de 5 minutes, le convoi il va se faire braquer, dans 3 jours vous trouvez le slip du roi sur le bon coin, enfin, à un moment. Mais le pire, Dimitri, c'est qu'on parle de la reine, mais on oublie les autres victimes de l'actualité, et c'est ça le drame. Vous voyez ? Ah voilà, vous, donc, vous voulez parler d'Adrien Quatennens, c'est de la main courante déposée par sa femme parce qu'il lui aurait mis une gifle. Ben moi j'y crois pas, attendez, un mec de gauche gifler une femme ? Un CRS ou un flic, oui, évidemment, mais là... À mon avis, ils ont dû faire des jeux de rôle sexuels qui ont un peu dérapé. Ah bon, vous croyez ça ? Ah bah c'est l'intimité du couple, c'est compliqué. Hein, ça, on sait jamais. Il suffit que sa nana soit pointée en porte-jartel et lui a balancé « Je vais te faire courir, bouquin !» Et là, le gars, vous voyez, Adrien, c'est insensible. D'ailleurs, Mélenchon a tout de suite réagi. Ah oui, alors il a déclaré sur Twitter « Mon affection pour Adrien ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. » Putain, c'est beau. Moi, en tant que lanceur d'alerte, ça ne me dérange pas d'accueillir des migrants tant que ça reste à plus de 10 000 bornes de chez moi. Et on est tous pareils. Hein. Et puis, on se prive d'un truc. Vous imaginez les futures séquences de L'amour est dans le pré d'ici 20 ans ? Nous rencontrons maintenant Ahmed, réfugié afghan qui élève des chèvres et de l'opium thérapeutique dans le Larzac. Ce grand romantique au cœur tendre rêve de fonder une famille nombreuse. Pour lui, ce sera déjà la quatrième. Ce cœur original nous a immédiatement touchés par sa spontanéité lorsque, lors du premier week-end passé avec ses 3 prédentantes, il nous a avoué « Je les garde les 3 femmes ». Vous avez vu les dernières vidéos de Poutine ? Ah oui, celle où il crie « Hourra », c'est ça, oui. C'est marrant, hein. Les Russes, ils sont peut-être isolés, mais ils ont quand même le meilleur système de santé du monde. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah, je rappelle qu'au mois de février, tous ces pseudo-experts sur les chaînes info, ils étaient là « Ouais, mais le gars, c'est plié, il a 3 cancers, le sida, une Parkinson, la rage, la maladie de Charcot. » Tu les écoutais, à moins de faire un voyage à Lourdes, le gars, il passait pas les seins de glace. Tu vois. Alors là, il est sur l'estrade « Oula, oula !» Tu lui ajoutais 3 Tchétchènes derrière, il faisait une AK en cyrillique, les mecs, tu vois. Enfin, pardon, mais tu mets Joe Biden, là, Joby Joba, il essaye de dire hurra à voix haute et on doit lui changer la couche dans la minute, tu vois, c'est pas... vous avez accueilli Éric Ciotti ce matin. Ah, il est resté même en studio pour vous, hein. Notre Éric Zemmour décaféiné. Parce qu'il faut être honnête, hein, il pense à peu près la même chose, hein, mais il va le dire avec ses mots à lui, quoi. Il va dire, nous, républicains, nous pensons que sur un certain nombre de points, Éric Zemmour, bon, il soulève les bonnes questions, il pose des diagnostics que nous pouvons partager, mais nous sommes sérieux, nous sommes un parti de gouvernement, bon, qui n'a plus gouverné depuis 5 plus 5, je retiens 1 plus 2, bon, depuis 12 ans, mais collectivement, nous aspirons, enfin, surtout nous expirons, peut-être un jour, éventuellement, Inch'Allah, décrocher un portefeuille de ministre des anciens combattants ou de la rénovation énergétique au Sopalin. En fait, la droite, c'est la NUPES des individualistes. Et puis, il a traversé des épreuves personnelles très lourdes. Ah bon ? Ah bah oui, il a sans doute été l'un des rares à assister à cette tragédie humaine, de voir Damien Abad galoper derrière une stagiaire. Alors,
Je dis galoper, c'était peut-être tortiller, chalouper, j'ai pas le terme technique exact, hein, mais vous voyez l'image. Mais bon, ça fait quand même du bien d'avoir des mecs comme la CGT pour animer l'automne en France. Hein. C'est-à-dire, heureusement qu'ils sont là, sinon on saurait plus quelle saison il est. Ces gens-là, c'est une sorte de compagnie créole des rentrées sociales. Vous voyez, c'est la Ferrari du syndicalisme. Alors c'est pas un hasard, d'ailleurs, c'est un sigle, ça se termine par GT. Sur une bagnole GT, c'est un synonyme de qualitatif, tu vois. La CGT, ça fait un peu casse-couille grand tourisme, tu vois. C'est quand ils foutent la merde, tu sais qu'il y a du capot fiscal, enfin qu'il y a du cheval fiscal sous le capot, tu vois. Ils ont un instinct pour faire venir chier les gens quand ils sont à cran. C'est comme c'est des cochons truffiers du bordel, tu vois. C'est un truc. Les gens, ils se remettent à peine de la crise du Covid, ils voient la flambée des prix, on est au bord d'une guerre nucléaire. Les mecs de la CGT, oh putain les gars, il y a un créneau là, il faut y aller. Ah, vous voulez parler des militants écolos qui se sont collés les mains sur le stand du musée Porsche et qui ont fini enfermés pendant la nuit? Ah oui, quel bonheur. Oh là. Si on peut trouver les bandes vidéo, je pense que ça rentrera direct dans le top 3 de mes vidéos porno feel good de l'année. À ce point-là. Ah ouais, déjà physiquement, après les aspergeuses de musée, bah là on a eu droit à leur équivalent masculin, hein, donc la brigade des crevettes décongelées avec 3 poils sous le menton. Tu vois, les mecs, on dirait des héros Marvel sortis des soins palliatifs. Alors ils sont installés, collés les mains, là ils se sont mis à brailler leur bullshit de quinoa bolchevique, là. Et là arrive le responsable du musée. Et sa réaction vous a plu? Ah oui, quel saint homme, sancto subito. Le gars du musée, il se démonte pas. Il les regarde et il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends un lance-flamme, j'appelle les potes de Kadyrov, tu vois, il est là. Et là, il a une idée de génie, il voit leur physique, il se dit, non, mais je vais juste éteindre la lumière et mettre le chauffage à 16 degrés. Et là, le matin, Dimitri, il y en a 3 qui se sont fait caca dessus, un autre qui a fini aux urgences parce que la colle lui avait filé des cloques sur la main. Je pense que ces gars-là, tu les envoies à Verdun, ils décèdent le premier jour des suites d'une ampoule infectée. Tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'il a dû se faire plaisir le matin, le gérant. T'imagines la scène, il arrive là-bas. T'as, tu rentres là-dedans, t'as une petite odeur de toilette. Tu les vois, ils sont là, tremblés, collés comme des mouches à merde contre le capot d'une GT3, tu vois. La main qui ressemble à un fion de babouin frit. Enfin, le truc. Quel bonheur. Moi, j'ai hâte qu'ils aillent faire ça dans un musée en Chine. Ah, toi. En Chine. Ah bah oui, en comparaison, l'Europe, niveau émission, c'est la forêt amazonienne, hein, faut être d'accord. Enfin, ils feraient ça en Chine, je pense que tu les retrouves un mois plus tard sous la forme de croquettes pour chien, un truc un peu... Je ne sais pas si Pogba nous écoute ce matin, mais manifestement, son marabout confond casser le genou de Mbappé avec casser la tirelire du Qatar. Oui. Hein. C'est le genre de marabout à qui tu demandes « fais revenir l'être aimé » et le lendemain, t'as ton contrôleur du fils qui est devant ta porte. Du coup, s'il pouvait me jeter un sort du type « casser le poignet de Proust » pour que j'arrête d'écrire, ça va peut-être faire finir par péter la tirelire de Lagardère. C'est un peu mon Qatari à moi, Arnaud. Les combats écolos saturent l'espace médiatique en ce moment. Je suppose que vous êtes plutôt contre le rassemblement là, sur la nouvelle ZAD de Sainte-Soline. Alors, non, moi je pense que c'est bien que ces gens se rassemblent. C'est comme le brame du cerf, ça vous empêche de dormir, mais au moins ça permet de les compter, vous voyez. Certains politiques ont parlé quand même de violence policière. Hein. Mais quelle violence policière dans ce pays, c'est quand même dingue. Les flics, c'est quand même les derniers à pas avoir le droit d'avoir du plaisir quand ils bossent, quoi. Franchement, je sais pas, tu te fais charger par une élue Europe Écologie en descente de surdosage de curcuma. T'as quand même difficilement envie de lui faire un massage ou des bisous, quoi. Puis niveau violence, il y a de la marge. Quand tu vois les CRS d'aujourd'hui, t'as quand même l'impression qu'ils ont tous raté une carrière de laveur de carreaux, quoi. Ils sont là avec leur pauvre spray lacrymo. On est passé de la garde républicaine à la brigade du pchit. Non. Faut une solution politique à tout ça. Une solution politique. Ah ouais, faudrait demander à Philippe Devilliers d'intervenir. Philippe Devilliers? Ah bah il est du coin, comme il a le puits du fou, les cracheurs de feu, c'est son truc, tu vois. Je suis sûr que si on lui demandait, il dirait un truc du genre. J'ai regardé ce qui s'est passé à Sainte-Soline, dans cette ZAD, cette zone à dératiser. J'ai vu les décors, c'est un enfer. 3 planches de cagettes à fraises collées entre elles, avec des espèces de donjons en carton recyclé. Je peux dire que c'est le parc Astérix du Clodo, c'est le puits du fou de l'OQTF local. Dans la forêt à gérer. Bon, monsieur Devilliers, alors qu'est-ce que vous proposez? Alors ce sujet, faut pas être seulement des porteurs de lucioles, mais aussi de mines antipersonnelles, vous voyez. Alors moi je dis en 3 points. Encerclement, pulvérisation, bétonisation. C'est-à-dire? Encerclement, c'est-à-dire on met des fils de fer barbelés tout autour pour éviter que nos petits lapins de Garenne s'échappent. Pulvérisation, c'est-à-dire faut mobiliser, c'est-à-dire Canon César, Charles Leclerc. Ah oui. Faut que le Charles de Gaulle, il prenne position dans une écluse entre Angoulême et Poitiers et qu'il se tienne prêt. Bon, et bétonisation alors? Ah bah, une fois que le boulot est terminé, faut faire un parking à la place, par exemple, avec un distributeur où les tickets sortiraient du fion d'un zadiste empaillé, vous voyez.
Et là, je peux vous dire que Black Bloc n'a dit nous moque. On trouve quand même des talents formidables. Ah bon ? Ah bah parmi les débutés, il y a quand même des voyagistes tour opérateurs qui s'ignorent. Hein. Ah, vous voulez parler de la phrase de Grégoire de Fournas, le député RN, qu'il retourne en Afrique. Hein. Ah oui, comme dirait l'autre. Voyage, voyage. Non, mais si un jour Marine Le Pen devient présidente, on connaît déjà son futur ministre des Transports. Je pense que là, on tient le futur Captain Igloo du migrant congelé. Après, faut être juste. Je sais que si le gars est, je sais pas si le gars est raciste, mais au moins il est calé en géographie. Ah, c'est-à-dire ? Bah, vu la tête du député, il allait pas dire retourne en Norvège, vous voyez. Donc. Non, mais vous avez. Vous avez enchaîné. Vous avez été choqué, Gaspard ? Bien sûr, j'ai été choqué. Là, c'est pour la blague, mais évidemment, on va quand même pas renvoyer un député et les filles en Afrique. Je veux dire, ils ont déjà assez de problèmes comme ça là-bas. Pour que Fournas puisse être traité de raciste, encore faudrait-il nous prouver que Carlos Bulongo soit noir. Ah bah, ça n'est pas le cas. Bah, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bah, sa couleur de peau, peut-être, non ? Mais, vous voyez, c'est intéressant, ça. Parce qu'il ne faut pas confondre l'identité de race et l'expression de couleur de peau. Sinon, on va mal partir. Non, mais il manquerait plus que vous me disiez qu'Oscar Bilongo n'est pas un homme. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Non, mais c'est intéressant quand on interroge nos stéréotypes. Hein. On dit qu'il a été raciste envers un député de couleur noire. Mais si on déconstruit un peu, si ça se trouve en réalité, Bilongo, c'est peut-être un travesti asiatique. Non, mais vous délirez complètement, Gaspard, là. Non, mais voyez, c'est intéressant. Vous voyez, le problème avec vous, c'est que vous réfléchissez en mode construit. Peut-être que le vrai racisme, ça aurait été que si De Fournas avait dit à Oscar Bilongo, retourne donc dans ton salon de massage à Phuket. Vous voyez ça ? Mais vous m'inquiétez, Dimitri, parce que par exemple, je suis sûr que vous êtes persuadé que je suis un homme. Ah, parce que vous n'êtes pas un homme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais vous êtes quoi alors ? Moi, je me définirais comme une lesbienne à Penny, vous voyez ? Pourquoi vous ne changez pas de sexe alors ? Bah, je suis lucide, j'ai pas envie que mon vivier de plan cul ne se réduise qu'aux femmes qui portent des salopettes, vous voyez. Donc, bon, Proust, vous m'inquiétez. Vous êtes climato-sceptique, Gaspard ? Non, je dirais pas ça, je dirais plutôt climato, je m'en branliste, vous voyez. De toute façon, un jour, la planète va disparaître, donc autant cramer les ressources tant qu'il y en a. Je veux dire, si t'as du caviar sur la table, tu commences pas à faire chier la maîtresse de maison pour qu'elle te ramène du tarama. Tu profites, toi. Mais de toute façon, quand tu décides d'organiser une COP27 à Sharm el-Sheikh, c'est que les mecs, au fond, ils doutent. C'est pour faire crédible. Ah bon, c'est intéressé. Bah évidemment, c'est pour que tout le monde se dise ah bah c'est vrai que pour mi-novembre, fait quand même chaud. Hein. Bah oui, connard, t'es dans le désert, forcément. Ouais. Non, faut un autre nom de rubrique à mon avis. Ah bon, bah alors j'attends une proposition. Bah, matin bourrin, par exemple, je trouve ça bien, moi. Hein, même slogan de matinale pour Europe 1, un truc un peu patriote et paillard. Europe 1, la station qui s'adresse à la Gaule du matin. Ah oui, vous voyez, on balaye large. Oui, ça me plaît bien, pourquoi pas. On va peut-être demander à Jérôme Jaffré qui reste avec nous, ce qu'il en pense. Oui, qui est invité ce matin, et c'est vrai que c'est surprenant, parce que moi je suis un peu gêné. Au départ, c'est Stéphane Bern qui était prévu. Ah oui. C'est pas le même registre. Hein. Franchement, je pense que les deux invités se nourrissent pas dans la même gamelle. Ah bon ? Ah bah, il y en a un qui se nourrit des turpitudes de l'aristocratie, et l'autre des ragots du tiers-état républicain. Enfin, on compare le chapon de Bresse avec la volaille brésilienne aux hormones, là. Bah, non, mais vous êtes d'accord, Dimitri ? Si on suit l'adage, on est ce qui nous nourrit. Oui. Quand on voit le niveau politique actuel, j'ai envie de dire à Jaffré, miskine, elle n'est pas bonne la bouffe à la cantine en ce moment. Ah oui. Je suis mal à l'aise ce matin parce que j'ai déconné ce week-end. Ah bon, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en dehors d'être une signature Europe 1, j'écris aussi dans le JDD. Ah oui. Et j'ai pondu un truc contre la corrida et franchement, j'aurais pas dû. Hein. Ah oui, vous avez reçu des menaces des pro-corrida. Ah, pire que ça, j'ai reçu des demandes en ami de la part de défenseurs de la cause animale. Non. Ah, moi, j'osais plus ouvrir mes mails, j'avais trop peur qu'Hugo Clément m'envoie une photo de ses couilles. Et. Du coup, comme je suis là, j'aimerais en profiter pour faire un petit rétropédalage ce matin. Donc, alors, je comprends plus. La corrida, vous êtes pour ? Je crois que je suis passé à côté. Je suis passé à côté parce que clairement, j'admire le courage du torero. Ah bon ? Ah bah quand même, tu te pointes dans une arène blindée de monde en costume brodé, collant et ballerine, c'est quand même super couillu, faut assumer, tu vois. Avec le costard, oui. Je comprends que la gauche soit contre d'ailleurs. Mais pourquoi ? Mais la corrida, c'est quand même vachement homophobe. Hein. Lâcher une bête de 500 kilos sur un type en transition de genre. Le gars comme ça, tu sens qu'il te pose des questions, tu vois, tu viens pas secouer une nappe de table devant un taureau en rut déguisé, c'est-à-dire. Mais objectivement, tu vois les vidéos, c'est clair que le taureau souffre. Hein. Mais il y a aussi un point positif là-dessus. Ah, c'est-à-dire ? Bah, ça fait aussi souffrir Émeric Caron. Et ça, c'est un choix cornélien. Moi, entre le bien-être du taureau et la souffrance d'Émeric Caron, comme dirait la pub, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Vous n'êtes pas fan d'Émeric Caron ? Ah, si, mais est-ce. Est-ce vraiment possible de ne pas être fan d'Émeric Caron ? C'est notre d'Artagnan zadiste. Hein. Faut quand même être un génie pour écrire des bouquins sur la fraternité entre les hommes et les moustiques. Pour le bien-être animal, faut arrêter la mise à mort du taureau et le remplacer par un pratiquant de rodéo urbain.
Tu vois, le mec, il entre en mobylette dans l'arène, t'as les flics à cheval, bam, une lance dans les roues. Une fois au sol, t'envoies les picadors, il plante des chaînes de vélo dans le dos, et pour le finish, bam, histoire de le réveiller un peu, tu vois, tu le passes au spray de sécrétion de vache en chaleur, et là, tu lâches un taureau qui a jamais vu de femelle de sa vie, et là, là on a un beau spectacle. Oui. Le football, vous suivez un peu la Coupe du Monde en ce moment? Pas trop, mais je vais regarder France-Tunisie. Ouais. Et alors, vous allez soutenir qui? Ah, bah, sans hésiter, les commerçants et les CRS. Hein. Ça, c'est. A priori, peu importe le résultat, eux, ils savent déjà que ça sera le bordel. Hein. Ah, vous pensez au précédent Maroc-Belgique, ça vous a marqué, ça. Bah oui, après, pas d'amalgame, hein. Je suis pas seul. Les Marocains, c'est pas des Tunisiens, je veux dire, on sait pas. Bah, mais c'est vrai que c'était choquant. Hein. Heureusement que les Belges ont perdu, parce que sinon, à cette heure-là, le roi des Belges s'appellerait l'imam Iquesen. Hein. On a quand même échappé à une coupure d'écran suivie d'une annonce officielle. Bonjour, je suis votre nouveau roi, Iquesen Ier, une fois. Ça fait plaisir d'être dans Matin Bourrin comme vous. Oui, je suis ravi que pour ce premier Matin Bourrin officiel, comme ça prononcé à l'antenne de votre part, je suis vraiment ému. Et puis en plus, on est un invité de la notoriété d'Olivier Marleix. Tous nos auditeurs attendent impatiemment sa parole. C'est le genre d'invité que dès que tu le vois apparaître sur l'écran des matinales, t'arrêtes de faire l'amour à ta femme et tu m'en poses ton épisode de Pas de Patrouille. Ah bon? Ah oui, bah oui, parce que il y a un mystère, Olivier Marleix. Ah, mystère Marleix. Bah, c'est la Mylène Farmer des Républicains. Mais qui soutient-il à la primaire? On n'en peut plus de ne pas savoir. Ça fait partie de ces grands mystères français, vous savez. Qui a tué le petit Grégory? Cédric Jubilard est-il coupable? François Hollande a-t-il jamais été président de la République? Et avant qu'ils ne viennent, alors j'ai envoyé un texto à Naïma, donc c'est la gentille qui cale les invités politiques du matin. Je lui ai demandé, mais alors, il roule pour qui? Rotaillot, c'est-à-dire le Nicolas Jardinier du Bocage, ou Éric Ciotti, le représentant Vérissure sur le secteur Antibes-Nice-Beau-Soleil? Elle m'a dit, non, alors Marleix, il paraît qu'il aime bien les deux. En fait, c'est un polyamoureux. Hein, ah. Je comprends, hein, c'est quand même dur de choisir son poulain dans un match Tyson contre Holyfield version soins palliatifs. Vous avez vu que les gens sous respirateur artificiel ne seraient pas considérés comme prioritaires lors de ces délestages. Ouais, j'ai vu. Hein. Si avec ça, on repère pas les Jacques Mayol de demain. Hein. Je veux dire, si on trouve une mamie qui arrive à tenir 2 heures en apnée, faut faire direct une suite au grand pleu, vous voyez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont en train de passer la loi sur l'euthanasie, à mon avis. C'est-à-dire, quel est le rapport? Ah, c'est pas pour faire mourir sans souffrance, c'est juste pour couvrir le risque juridique des futures pannes. Ah bon, vous croyez? Ah bah oui, avec le nombre de papiers et mamies qui risquent de tomber en panne comme des iPhones sans jus, ils pourront toujours dire « Non, c'est pas le délestage, c'est ses dernières volontés. Papy, il avait mis dans son testament que s'il y avait une surchauffe du réseau, il était OK pour le crématorium. Ouais. » Le président a dit qu'il fallait que les Français jouent le jeu. Oui, parce que le Français, il a que ça à foutre. Jouer. Le Français, c'est comme un berger australien. Il faut avant tout lui donner de quoi s'amuser, sinon il se fait chier. Hein. En été, il faut le faire jouer à « J'évite de boire un litre de vodka déguisé en esquimau en plein cagnard ». En automne, il faut le faire jouer à « Je me pique contre un virus en espérant que le vaccin le couvre ». Et dès que l'hiver arrive, alors, si on peut lui faire passer son temps à tourner les boutons des radiateurs, c'est plus sympa, il est content. Et en fait, Elisabeth Borne n'aurait pas dû faire Premier ministre, mais responsable du rayon « Jeu d'éveil » chez Jouet Club. Vous voyez, Dimitri, dans cette histoire, il va falloir trouver des énergies alternatives. Alors, est-ce que vous avez des idées? Mais comme toujours, bien sûr. Il y a cette vieille idée comme le monde, cette idée vieille comme le monde, plutôt c'est un hamster qui court dans sa roue et fait tourner une dynamo qui allume une lumière en bout de chaîne. Hein. Alors vous remplacez le hamster par Sandrine Rousseau. Ah. Vous lui collez derrière un DSK en calbute et là je peux vous dire qu'on passe l'hiver sans problème. Comme je reviens Inch'Allah que mercredi prochain et que du coup la Coupe du Monde sera finie, j'aimerais en profiter ce matin pour dire merci. Merci, merci le Qatar, merci Doha, merci Nasser El Chenifi, merci pour cette Coupe du Monde magnifique, super bien organisée, sans dérapage, page sans beuverie, dans le respect de l'autorité du chef de famille et des relations hétérosexuelles dans le cadre du mariage. Sincèrement, je pense que c'était de loin la plus belle Coupe du Monde jamais organisée, la plus humaine aussi. J'ai fait un saut pour le match Croatie-Brésil à Doha. Et je peux vous dire que sur place, j'ai croisé que des ouvriers non exploités, mais des travailleurs indiens heureux, népalais, toujours là en train de vous ramener une coupe de champagne. This is for you, sir. Thank you, you're welcome. Vous avez fait un saut à Doha? Évidemment non, mais si on n'a plus le droit de se revendiquer d'un journalisme à la Mediapart, où va-t-on? Il n'y a eu que des fake news. Par exemple, on parle de la condition de la femme, et c'est vrai qu'elles sont voilées sur place, mais c'est leur charme. Tu les vois glisser comme ça sur le marbre des centres commerciaux, en laissant derrière elles un nuage de parfum, t'as l'impression qu'elles sont toutes tombées dans un réacteur nucléaire qui fonctionne au Chanel 5, tu vois. Là-bas, les nanas, elles n'ont pas des glandes de sudation, mais des mini-magasins Sephora collés sous les aisselles. Mais qu'est-ce qui vous prend de dire autant de bien du Qatar, hein? Ah bah depuis qu'on a chopé la vice-présidente du Parlement européen avec 600 000 balles de liquide chez elle juste parce qu'elle avait dit du bien du Qatar, moi j'ai plus aucun scrupule. Ah oui, d'accord, c'est donc ça, c'est intéressé, c'est l'appât du gain. Oui, bien sûr, mais attention, ça veut pas dire que je suis pas gêné vis-à-vis de la vice-présidente du Parlement européen. Ça m'a quand même fait mal au cœur. Ah bon, pourquoi? Vous avez pas vu sa photo?
Blonde aux yeux bleus, fine, bien coiffée, propre. C'est quand même tellement rare une socialiste bien gaulée. Enfin, la nana, on dirait une minette qui sort d'Assas. Je veux dire, du coup, faut comprendre. Une nana, dès qu'elle commence à prendre soin d'elle, ben, c'est un budget, les crèmes, les machins, ça coûte une blinde, quoi. C'est sûr que Mathilde Panot, l'inflation, c'est pas au rayon, soin du visage, qu'elle se la prend dans la gueule. Hein. Rien que le match de ce soir, France-Maroc, ça va d'abord être ça, une leçon de vivre ensemble. De vivre ensemble. Ah bah, arriver à fédérer des Algériens et des Tunisiens autour d'une équipe marocaine. Je rappelle juste que sur place, ces trois pays peuvent pas se piffrer. Là, c'est comme si d'un coup, l'Ukraine et la Pologne étaient à fond derrière l'équipe russe. Vous voyez, donc c'est un peu... Oui, vous parlez de ce match très attendu de ce soir. Oui, j'ai entendu l'entraîneur marocain qui veut mettre l'Afrique sur le toit du monde. C'est une belle ambition. Comme sur le toit du bus, ça a déjà été fait. Je suis encore sur un nuage, hein, très clairement. Sur un nuage ? Ah bah cette belle victoire de l'équipe de France. Non mais on a perdu, Gaspard. Ça c'est de la fake news, parce qu'en vrai je pense qu'on n'a jamais vu une telle victoire du patriotisme. Du patriotisme. Pour une fois que les joueurs de foot se soucient plus de la santé des CRS et des vitrines sur les champs que d'aller se faire broder une troisième étoile à la con sur un maillot, vous voyez, vous avez déjà vu des footballeurs apporter un tel soutien à la police ? Moi je pensais qu'ils allaient sortir de l'avion avec des t-shirts « Justice pour Darmanin » et... On comprend mieux pourquoi Benzema a mis direct un terme à sa carrière en équipe de France, hein Karim ? Vous n'êtes pas un peu déçu quand même qu'on ait perdu ? Bon, moi j'étais pour les Croates, hein, donc et puis... non mais, oh, oui, mais j'en ai rien à foutre, l'équipe de France. Mais bon, puis s'ils avaient gagné, on aurait eu droit à quoi ? Vous trouvez que ça renverrait une belle image de la France ? Voir des types en survêt, en train de descendre les champs dans un bus décapotable, sur fond de musique techno, agiter en l'air une coupe en forme de fils de gorille en or, non ? On a déjà une Guépra dans l'été rue de Rivoli, si on peut éviter de lui faire une petite sœur sur les champs en hiver, vous voyez. Bon, ils ont quand même été reçus au balcon du crayon, d'ailleurs pas très souriants, on les a vus. Hein. Mais mettez-vous à leur place, Dimitri, les mecs qui sont rentrés rincés après 7 heures de vol en provenance du Qatar, pays civilisé. On te les fout sur un balcon du crayon et là, tiens, enjoy le tiers-monde à la sauce Hidalgo, les mecs qui sont sous le choc, tu vois, mais bon... C'est peut-être aussi encore les séquelles de la drogue qu'on leur a donné. Non, les séquelles de la drogue qu'on leur a donné. Bon, au final, cette équipe de France a été droguée. Mais par qui ? Par les services secrets français, c'est évident. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, attendez, on est passé plus ou moins entre les gouttes pour France-Tunisie, France-Maroc. On n'avait quand même pas tout gâché dans la dernière ligne droite si la France devait battre l'Argentine. Je pense que dans 10 ans, quand on va ouvrir les Macron Files, on va en trouver des échanges de textos louches entre un certain Emmanuel Bismuth, Gérald Darty et Laurent Nunez-Vidocq. Des textos du genre « Undosh Tresh Somniferch ». Non mais pas du tout, sur place on parle du virus du chameau. Bah oui, le virus du château. Au Qatar, hein. Pourquoi pas la variole du fennec ou le sida de la sardine, faut arrêter. Puis comme par hasard, le plus atteint c'était Mbappé. Mais non mais même pas, il a marqué 3 buts en finale. Bon c'est un attaquant, c'est son boulot, c'est normal. Quand vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez pas un autographe parce qu'il vous sort un croissant au beurre. Je veux dire, il a le ballon au pied, il court vers le but, il va pas s'arrêter devant les filets et faire une poterie, je veux dire c'est... Ça s'est vu qu'il n'était pas dans son état normal. Non mais vous insistez, de quoi vous voulez parler Gaspard ? Bah, son attitude quand même très passive sur la pelouse quand il a subi cette agression sexuelle. Ah, une agression sexuelle. Bon, faites pas semblant, tout le monde a vu la séquence. Et Mbappé il est là un peu hagarde, il est en train de chercher un trèfle à 4 feuilles, t'es dans la pelouse. Et soudain t'as ce supporter qui court en pantalon à pinces, bras de chemise. On aurait dit un stagiaire de chez McKinsey en overdose de popper. Il est là tranquille, il le prend, il le touche, il caresse la tête. J'ai l'impression de voir Fourniret qui venait de choper un minot sous GHB. Ah non, mais moi je regardais le match sur Canal, je me suis dit à un moment, ça va basculer en crypté cette histoire. Oui. Vous n'avez pas reconnu Emmanuel Macron ? Ah, c'était lui ! Ah ! Mais oui. Me disait bien qu'il me rappelait le gars qui s'était déguisé une fois en pilote sur un porte-avions ou en cow-boy au Puy du Fou, je sais pas, je confonds toujours. Après, peur de rien, hein, Macron vient d'inventer le MeToo exhibitionniste. Mais vous voyez le mal partout, c'est ce qu'on appelle une bromance. Ah, une bromance, ouais. Ah non, mais moi je peux pas, les gens tactiles, c'est les gens qui vous connaissez pas, qui vous palpent comme ça, là, comme si vous étiez un tapis dans un souk, bah, c'est insupportable. Mais vous croyez pas que c'est un geste politique, hein ? Ah, c'était donc ça le geste pro-LGBT de la part de la France. Ah, vous pensez que c'était ça, vous ? Ah bah si c'est ça, ça claque, hein. À côté le pull arc-en-ciel, Doudéa Castafiore, la Rosa Parks en cachemire, ces petites bites. Hein. C'est-à-dire c'était ça, hein. Il manquait plus que Macron se tourne vers la tribune et qu'il dise « Brigitte, c'est lui que j'aime ». Et là, on a 1, 2, 3, vive LGBT. Hein. J'aimerais faire une petite provocation comme ça sur les ondes, je sais pas si c'est possible. Bah, bon, la provocation est, ultime, hein, je vous préviens. Oui. Ah, oui, on peut pas faire plus politiquement correct. A priori, si on n'a pas un appel de la Ligue des droits de l'homme ou de l'ARCOM dans les 2 minutes... Je me cramponne à la table, allez-y. Alors, je me lance. En ce 21 décembre, avant de vous retrouver l'année prochaine, je souhaite à tous nos auditeurs une très belle fête de la nativité. Voilà, c'est dit.